Moi, j'ai put on tout le monde, bro. Avec du Québec, j'ai put on tout le monde, bro. Ouais. Sur un projet qui allait en France, bro. Personne nous a jamais put on. J'avais pas fini. Il y a Benny Adam, Gros Big, Rojay. Il y a Ecolo, c'est ça, le chum. Ouais, check, Benny Adam, il est en train de péter le game, bro. Ouais. Mais ouais, man, tu vois, vrai reconnaît vrai, man. Rojay aussi, il fait son affaire en Chris, bro. Ouais, il fait ses affaires. Ouais, man. Tu sais, comme... Il y a un créneau, man, puis ça marche. Il est sérieux. Et puis lui, c'est humoristique aussi, tu vois. Il y a plein de gars qui vont dire c'est pas du rap real. C'est quoi du rap real, bro? Alors... Non, mais... Parce que vous, c'était quand même une parodie. Une parodie du rap. Les gens disent que c'était une parodie du rap avec le wave cap. Tu portais pas de wave cap. J'ai des wave cap pour toi ici, mon chum. Il a passé. Ouais, t'as des cadeaux pour nous. Mais moi, je vendais des wave cap avec des gars de Montréal-Nord, bro. Je fais faire de l'argent à la communauté afro-américaine, bro. Afro-canadienne, ah ouais? C'est vrai, man. Moi, je vends pas des Durag sans comme, tu sais, bro. Moi, j'ai grandi à Snowden, j'allais à Walkley, il y a des Jamaïcains partout, man. Mais ça, je connais le hood. Moi, je portais du clench parce que j'avais le droit, man. Tu comprends? On se fait rob. C'est vrai, bro. Moi, j'avais les Fubu Platinum Edition Fat Albert, c'est tout, bro. Puis je portais du Fubu, puis j'étais un blanc qui portait du Fubu. Mais j'ai le droit, bro. Tu vois, fait que je t'ai ramené des Durag, bro. Parce que je sais que ça parlait mal de moi. Vas-y. Ouais, tiens, tiens. On veut voir les cadeaux, man. Il y a tout là-dedans, bro. On peut... C'est quoi ton sponsor maintenant, Cyrano? Non, pour il vraiment des... Fait qu'il y a les Durag, vraiment, des Durag anticipateurs. C'est ça, bro. C'est fucking real. Ouais. Et on les vendait avec Empire Durag. C'est eux qui les ont produits. Ah, Empire Durag, ben oui, yo, j'étais tellement jambon quand ils les envoyaient, man. Je les ai ouverts, puis je suis comme, yo, ils sont à l'envers, les Durag, parce que, tu sais, la ligne est à l'extérieur. Ouais, ouais. Mais c'est parce que moi, je comprenais pas que, tu sais, pour avoir des beaux waves, ouais, man, il faut pas que t'aies la ligne à l'intérieur. Ok, ok. Mais moi, je cours là-dessus, bro. Ok, je suis en train de rock des Durag, des anticipateurs. Ouais, c'est des collecteurs, là, tu sais. Yeah. Non, mais parce que c'est sûr. T'as les clés USB aussi, t'as avec toute la discographie dessus. Je l'ai pas mis Tronel Diablo parce que ça, c'est volontaire ou c'est pas volontaire? Ouais, ça, c'est à moi, tu laisses dedans. Ok, il y a les clés USB avec votre... Ouais, puis check la clé USB, bro. C'est next level, c'est pas juste une clé USB. Il n'y a aucun rappeur qui fait ça ici, bro. C'est qui les plus real? Puis il y en a au moins deux, là. Ouais, il y en a deux. Il y en a une pour chacun de vous. C'est ça, c'est ça. Tu vas te voler les bails. F5, est-ce que t'as vraiment eu... F150 avec des briques, man, sur le flatbed. Mais t'as jamais eu cette voiture-là pour de vrai? Non, bro. Les partenaires qui avaient ça autour. Exact, bro. Yeah. Moi, j'ai jamais eu de bijoux, jamais vendu de drogue. Que le F150, mais... T'as déjà été jamais fait de la fraude. T'as déjà été sa poudre. Ouais, ça, c'est sûr, 100%. Regarde, tu sais. Faut se mettre dans les conditions, là. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais tu sais, je veux dire, comme... À un certain point, man, faut être capable de faire ça pour de vrai, man. Puis c'est comme... C'est un fait accompli, regarde ça, bro. Non, mais parce que les gens, ils pouvaient regarder ça puis dire, les gars, ils prennent pas ça au sérieux, tu comprends? T'sais, des fois, c'est comme... il nous a shout-out pour ça, quand il avait fait ça montrer vos views, là. Nous, on a montré, bro, et il a dit, regarde, même les gars qui se prennent pas au sérieux, ils sont plus sérieux. Ouais. Ben ouais, bro. Gros shout-out à lui, bro. Lui, il est en train de défoncer des portes pour nous, moi. Non, c'est sûr que vous avez eu des views. Vous, c'est vrai, les anticipateurs, là, ils ont pété des scores. Parce que même si tu disais que vous avez pas pris ça au sérieux, les rap skills étaient là quand même. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est pour ça que je te regarde quand même qui vous défendait, moi. Les rap skills étaient là. C'est une joke, mais c'est pas une joke, bro. Ouais, c'est ça. Mais quand même le contenu, bro, tu penses qu'on pourrait parler de ça n'importe comment? Tu penses que je sais pas de quoi je parle? Ouais. Alors. Ouais. Alors, bro. Non, mais il y a quand même une certaine intelligence, comment que c'est posé, comment c'est fait, comment c'est monté. Ouais, puis l'anonymat, ça te permet de dire tout et n'importe quoi. Fait que c'est ça, c'est ça. Puis là, j'ai retenu qu'il a dit... C'est pas moi, c'est MC Tronel. Maintenant, c'est Tronel. Maintenant, je fais attention. Ouais. Mais ce qui est fresh, c'est que je peux quand même faire des tunes comme haut de gamme où c'est que du capping, où je dis des trucs inacceptables. Comme je fais plein de latinos sur mon sofa puis je les ai toutes mis dans le coma. Mmh. Tu sais, comme ça, c'est fou, bro. Mais je peux dire ça parce que c'est genre, bro, j'ai ce passé... Je fais allusion à ça, c'est du second degré. Ouais, ouais. I'm joking, bro. It's funny. Mais vous avez pas eu... Y a rien d'autre gamme dans ce que je dis dans haut de gamme. Non, mais... juste comment je le fais que c'est fucking haut de gamme, j'ai le plus gros beat du monde. Vous avez un bon sens d'humour. Ouais, puis j'essaie de l'avoir encore parce que c'est ça qui... Les gens aiment rire, bro. Moi, personnellement, écouter de la musique des gens qui chialent, bro, c'est comme... Alors... Ça parle de toi mal. Fait que là, Est-ce qu'il pourrait avoir un autre projet anticipateur ou c'est vraiment c'est fini ça? Ça c'est dead. Non, moi je pourrais plus faire ça, bro. J'ai arrêté de le faire pour une raison, bro. Fait que c'est comme, je veux plus retourner à ça. Ok. Je sais même plus si je veux faire du rap keb ou du rap français. Moi je veux faire de, moi, je fais de la musique. Moi j'ai un album en espagnol, bro, complètement fou, man. C'est juste mon accent, il est pas assez fly. C'est ça, j'allais dire. Muy bueno, pero no suficiente. Oh. Tennis. Si, si, mais tu sonnes comme un gringo, c'est ça? Non. Non, non. Non, moi j'habite au Mexique, bro. C'est pour ça que j'ai les cheveux de cette couleur. C'est petit papa Tronel, mais c'est surtout parce que je vais à Fuego Fuego avec Marco Ramirez, qui est la plus grosse légende. Je vais aller faire du bruit là-bas, parce que moi je te dis, man, j'ai des tunes de reggaeton plus fly que les gars de reggaeton ici, bro. Tu vois, comme... Ouais, c'est possible. C'est un gros game, bro. Les gens, ils comprennent pas, man. Bad Bunny, c'est 60 millions de views en moyenne sur Spotify. Every day. Every day. Imagine the motherfucking check. Yeah, yeah. Mucho, mucho dinero. Yeah. C'est peut-être même s'il prend 10% là-dessus puis il écrit pas ses chansons. Moi, je vais écrire ses chansons. C'est comment j'ai commencé à écrire des chansons en espagnol, bro? Sur Google Translate. Ah ouais, hein? J'ai fait la chanson Esposa. Sujet fort. Une femme. Comme ta femme mariée, là, tu sais. Mm. Esposa, oui, c'est épouse. Puis là, j'ai écrit Necesito una nueva esposa. Fait que deuxième sujet fort, le divorce. Nouvelles... Tous les gens divorcés vont aimer ça. Tous les gens pas encore mariés vont aimer ça. Tout le monde va aimer ça. C'est comme ça qu'ils gagnent dans le reggaeton, bro. Ils parlent d'amour, de Dieu et de foi, bro. Moi, j'ai la foi, bro. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, bro. Moi, je suis avec Dieu, man. Ah, vous avez des affaires borderline. Ben ouais. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Moi, j'ai été élevé dans l'église. Moi, j'ai été élevé dans l'église. C'est une grosse propagande dans l'église. Vous avez fait le corps de Christ. C'est un gros track, d'eau. Je vais pas mentir. Jésus a mis 20$. Ouais, c'est malade. C'est malade. Le corps du Christ. Ce track-là, on l'a même pas enregistré sur ce beat-là. Tommy Cruise, il nous a envoyé cet énorme beat de feu. Je te jure, c'était le même key, c'était le même tempo. On a enlevé le beat, on a mis le beat. C'était parfait. C'était Dieu. Mais tu vois, moi je faisais ça comme parce que, tu sais, comme ma grand-mère, c'est une dame de l'église, là, c'est comme toutes ces genre, c'est sacré, même pour moi, j'ai la foi, tu sais, fait que je respecte tout le monde qui est croyant, religieux, pratiquant ou non. Tu vois, comme je veux dire, à la fin de la journée, bro, tu gères ta vie comme t'as envie. Tant que tu fais pas de mal aux autres, c'est chill, bro, tu vois. Puis je pense, nous, on a fait une musique tellement folle, man, que ça faisait mal à des innocents sans qu'on soit capable de gérer. Tu sais, comme t'as une responsabilité quand t'es un artiste. Puis là, genre, Anticipateur, c'était comme... Comment tu veux qu'on dise qu'on assume la responsabilité dans ce... Nous, on s'en crissait, là, tu sais.